Nous sommes à Grand Bois. Nous gravissons cette montagne. Nous sommes une équipe pour aller à la découverte de l'eau. Nous ne sommes pas Manuel, le gouverneur de la Rosée, puisque l'eau a déjà été trouvée et captée par une série d'ingénieurs qui sont sur place à Saint-Michel de la Talaye. Lorsque nous voyons le paysage, on voit bien que c'est un point d'eau. Il fait frais, vraiment frais, et il y a une bonne couverture végétale. Et autour de nous, c'est couronné de montagnes. Et bien qu'il y ait quelques arbres abattus et quelques brûlis aussi que nous constatons, et l'ingénieur agronome, disons plutôt les deux ingénieurs agronomes qui nous facilitent cette montée sont avec nous pour nous conduire vers le point précis où l'eau est bien entendu capté. Où est le point d'eau? Nous grimpons encore. Et c'est vraiment pentu. Ah, cette montre vraiment raide. Ah, oh, voilà la source. Donc où est-ce que vous avez messé? Sous la devant là, il y a un petit monté là, la brûlée dans ce grand bois. Bon, mes amis, nous aussi vivons dans ce sens là. Après, plus le calor, nous finissons brûler. Nous vivons dans ce sens là, merci. Bravo. C'est combien de monde dans la communauté ça que capte ça les desservis en eau? Environ 1500 monde que système ça lui-même l'a desservi, qui en total 48 familles, donc qui a bénéficié de services de l'eau potable que Dinepa lui-même les fait installer donc dans la communauté. Nous tout connaît défi même de toujours exister, donc c'est vrai que malgré existant défi, donc Dinepa toujours amener de courage pour que les capables, comment dirais-je, desservir chaque grain de citoyen qui trouvait dans la communauté avec un verre d'eau potable. Donc si dans le temps mon était qu'on a marché pendant plusieurs kilomètres, donc nous mêmes qui arrivait là, nous ouais, qui quantité d'énergie, qui quantité calorique nous brûler pour capable vivre dans tout ça. Donc ouais, imaginez une zone qui vraiment est couverte d'arbres. Donc pour un monde à venir prendre, nous connaît que tâche à chercher de l'eau, les réserver sur mesdames, nous connaissons la fragilité ça gagne là-dedans. Donc, on ouvrage pareil, il est très bénéfique pour la communauté. Un, donc, nous avons gagné beaucoup plus de temps, ça veut dire que de l'eau arrive plus près. Donc, il a économisé davantage, ça veut dire que le temps vient vraiment jouer en faveur. Et conseiller des questions, donc, le problème qu'il est capable de présenter, donc, ça n'a pas existé encore. Question avec sécurité, donc, on est capable de faire ça. Qui trouvent aux yeux, donc, question sécurité, elle est censée résoudre. Qui, dans le temps, on a marché, monté monde, qui accès à un moment plus visuel, pas d'exister du tout. Donc, quant à présent, donc, c'est très, très bénéfique pour la communauté et Grand Bois. Nous avons fort besoin dans la question assainissement, question éducation. Nous avons besoin d'éduquer tout autant mon a existé, donc éducation a besoin faite. Parce que changement de comportement, c'est tout un processus. Ce n'est pas du jour au lendemain, ce n'est pas un calcul mathématique. Donc, c'est tout un processus, ça veut dire, ou parler avec mon enfant, ou parler avec lui en deuxième fois, ou parler avec lui. Ça veut dire, besoin toujours fait sentir. Heureusement, nous trouvons actuellement là, dans une zone qui est safe. Lundi, une zone qui est safe, c'est une
premier zone qui est arrivé FDAL dans 4 projets à 4 qui c'est approche communautaire pour un assainissement total. Donc si nous avons marché tout en dans la communauté, après au moins chaque famille gagne yon latrine. Donc dîne pas à travers comment dirais-je question assainissement. Donc le fait que yon latrine c'est un outil important dans chaque famille, même j'en nous trouvons exactement dans milieu rural côté que moun yo dépend totalement de cultiver la terre. Donc on dit que chaque moun cap cultiver la terre, chaque famille ou que ce soit en roue, que ce soit en manchette, et mais c'est même j'en tout pour la dîne pas dans chaque famille yo tient à ce que chaque famille yogon gen on latin, et c'est des approches communautaires, thème nan bien défini. Donc 0% don, ça veut dire que dîne pa financer moun yo à faire latrine. Donc c'est moun yo même qui à travers éducation nous sensibiliser yo, nous expliquer au danger qui gagne leur fait besoin à terre, qui risque qui gagne la dan, comment on communauté capable d'exister après un moment donné communauté ça vient pas exister encore à cause d'un simple négligence. Heureusement zone ça c'est zone qui est FDAL, donc c'est zone que on met marché la dan, ou après moun yo fait besoin yo dans latrine, que toilette là arrivé yo mette caca dans prison vraiment dans communauté ça. Donc c'est un apporté très positif que on voit ça gagner bon bonne partie dans question assainissement qui déjà fait, mais toujours est-il besoin toujours faire ressentir yo question sensibilisation, les deux continuent fait dans ce sens. Sous ça soit ben là il y a un mur de protection tout autour qui empêche que si tu as de et la pluie qui gagne et l'eau qui sortit dans gorge là, donc pour les pas traverser sous là pour les contourner mur. Soit regarder encore nous gagne ça et ensemble de barbelés ça, donc qui permet que les animaux ou bien monde qui pas est autorisé pas gagne accès à lui-même. Donc et environnement sous là tout où il gagne en pile pied bois qui est capable garantir une certaine pérennité. Et mais ça m'a dit quand même pour nous continuer à faire sensibilisation, continuer à faire éducation, si vous regardez bien où il y a des gens qui a fait des brûlures, des coupures autour de sous là qui capable endommager périmètre environnemental sous là et qui capable et pour avoir un effet négatif sur sous là en termes de tarissement à la loc. Et sous ça lui même bon lui bénéficier d'une zone de tampon naturel, si vous regardez plus haut vraiment pas gain possibilité pour mon ta continuer faire et agriculture. Donc et position sous là seulement bali on sorte de tampon naturel. Mais toujours est-il que nous disons avec le comité A pour faire de sensibilisation, parce que dans parler de population vulnérable, donc ça arrive comme là son milieu reculé et puis un bonjour au monde qui pas informé, qui pas formé, décider de vite mettre du feu pour être capable de faire un charbon. Il y a effectivement des citoyens qui amusent, donc mettez du feu tout au long ou voyez ça pour que vous capable élaborer. Alors c'est dans ce sens ça nous prend. Donc qui ça nous souhaite, c'est même Jean nous a dit tout à l'heure, question sensibilisation, les doit continuer fait. Mais pendant question sensibilisation à fait, donc nous pas arrêter croiser bras nous pour entendre l'État. Donc nous-mêmes mon grand bois qui est ouvrage à desservi, donc nous devons organiser nous à travers CAIPA pour capable continuer faire sensibilisation, continuer éduquer mon yo, surtout monde qui trouve yo qui gagne champ qui n'a trouvé on a périmètre sur ça, pour que nous expliquer de fond en compte. Donc sur ça c'est pour nous lire, quel que soit on partenaire sorti bien loin, donc il permet nous bénéficier sur cela, mais en bonne partie c'est nous-mêmes capral bénéficier tout bel avantage qui gagne dans sous ça, parce que c'est cousin nous, c'est tonton nous, c'est petit famille nous qui premier desservi dans sous ça. Donc nous engageons nous pour que nous multiplier rencontre communautaire pour nous engager communauté à beaucoup plus dans responsabiliser dans question durabilité ou voisin. Beaucoup de panneaux UNICEF, nous c'est partenaires et techniques qui accompagnent Dinepa dans river kay chaque grand monde avec de l'eau potable. Donc et n'a travaille ensemble avec Dinepa pour nous continuer et river kay chaque monde. Donc et ces financements yo qui est toutefois pas facile, mais et dans volonté nous, dans plan nous, donc nous mettez tout en œuvre pour nous accompagner d'une part, arriver à joindre chaque famille vulnérable.
afin que chaque monde capable boire yon de l'eau de qualité afin que nous vraiment finir avec question maladie hydrique yo. Donc et c'est ça que fait nous pas non seulement faire des ouvrages mais tout nous travaille sur le plan de sensibilisation famille pour connait que même si yo pou ka yon de l'eau et potable qui coule dans robinet yo même si et quel que soit côté orité pour toujours prendre précaution à qualité de l'eau y a boire. Donc et gain l'autre programme que nous gain qui encourager moun yo et comment pour traiter de l'eau même si yo prend de l'eau ta prend de l'eau dans un milieu qui pas sif mais gain un traitement préalable que capable faire pour protéger tête yo. Donc tout est un programme qui était relé gardien de l'eau qui était formé des moun pour gain et produits disponibles à l'acheter li et puis former communauté pour prendre produits pour traiter de l'eau comment pour traiter li gain aquatable gain tout autant d'autres produits qui autorisés par le ministère de la santé pour moun yo capable faire un traitement dans moun qui pas bénéficier de l'eau et qui sous réseau du NEPA qui déjà gain un traitement depuis dans réseau an, et bien et pour capable faire un traitement eux-mêmes donc qui capable filtration décantation et chloration direct par aquatable ou bien gardien de l'eau ou bien et n'importe l'autre produit que le ministère de santé autorisé dîner pas un slogan que la prône dans tout pays c'est que dîner pas la caille chaque grand citoyen donc il y a une bagaille qui est certain aujourd'hui nous capable vivre et applaudir ça. Donc dîner pas existe seulement pour monde qui trouve dans ville yo et journée aujourd'hui nous trouvons nous dans deuxième section communale Platana qui trouve dans et commune Saint-Michel de la Talaye. Donc c'est vrai que besoin en l'eau est satisfait mais travail là son travail qui pas doit être là travail doit continuer. Donc on a un aspect qui très important pour la dîner pas c'est question assainissement. Et pour que l'assainissement soit fait dans toutes les normes, dans toutes les directives, donc le ministère de l'Éducation nationale doit porter nous le bras. Donc Dieu soit loué, à chaque ouvrage que Dieu n'a pas gagné, donc bien avant, il gagne un CAIPA, qui est le comité d'approvisionnement en eau potable et assainissement. Donc la question ingénierie sociale là, elle doit continuer faite pour que moun yo éduqué, moun yo sensibilisé davantage sur gestion réseau. Parce que besoin de toujours faire sentir. Donc, si je ne veux dire, mon grand bois bénéficier donc à travers dîner pas via financement UNICEF et donc ouvrage flambant neuf ça. Donc, après 5-10 ans, donc UNICEF pas besoin vient faire un investissement dans même ouvrage là. Donc c'est à CAIPA ensemble monde qui vivent dans la communauté puis capable faire gestion rationnelle durabilité là dedans pour que ouvrage ça l'exister beaucoup plus longtemps que possible. C'est de l'eau sociale là. Oui, ça c'est réservoir système non. Là nous voulons vous regarder. Non, ça reste trop plein. Ah. Son conduit qui permet de l'eau à déverser parce que de l'eau va pas emprisonner. Et depuis que le réservoir là est fini rempli, normalement la déverser dans tout plein, il dit qu'on limitrophe dans le système réservoir qui permet que de l'eau les mêmes déverser à chaque fois pour de l'eau pas stocker pour pas de refoulement dans la source là. Bon, ça, allez, je vais te dire.